On se retrouve pour la première partie de Punchline sur CNews avec trois grands thèmes ce soir. La rentrée officielle du gouvernement avec une offensive en matière de communication. La veillée d'armes, évidemment, avant que le contenu des ordonnances de la loi travail ne soit révélé. Enfin, les Républicains qui se cherchent un nouveau chef. On en parle ce soir avec Gérard Davet. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste d'investigation au Monde, co-auteur du livre, fameux livre, Un président ne devrait pas lire ça. Avec Florian Silnicki. Bonsoir. Bonsoir. Expert en communication et gestion de crise. Et avec Juliette Méadel. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre socialiste du gouvernement. De François, non, pas de François Hollande, c'était enfin oui, plutôt de Manuel Valls, et fondatrice du think tank L'Avenir n'attend pas. On va parler de la façon dont vous avez pris du recul, hein, évidemment, par rapport à ce monde politique, à l'engagement partisan. Votre regard aujourd'hui nous intéresse. On va commencer, je vous le disais, par cette rentrée officielle du gouvernement, premier conseil des ministres de rentrée. Vous vous rappelez de votre premier conseil des ministres de rentrée il y a quelques mois? Très bien, c'est comme si c'était hier. Les mines bronzées, détendues, mais en même temps tendues, puisque c'était la dernière rentrée politique. Avec des gros morceaux comme la loi travail ou pas? Oui, bien sûr. Et puis des gros sujets de rentrée. Et puis surtout la gestion des attentats de Nice, puisque c'était le deuxième conseil des ministres auquel je participais après celui consacré aux attentats. Alors la situation pour ce gouvernement-ci est moins dramatique. Néanmoins, il y a quelque chose de très important. C'est la chute de la cote de popularité de l'exécutif, celle du président de la République et celle du Premier ministre. On va y revenir dans un instant. En tout cas, écoutez ce que disait le porte-parole du gouvernement ce matin, Christophe Castaner. On va écouter les mots très précis qu'il utilise dans cette punchline. Je crois que la politique, c'est l'art de prendre des risques. C'est d'assumer aussi de prendre des risques. L'art de prendre des risques, Gérard Davet, c'est ça la politique? L'art de prendre des risques? Oui, enfin, c'est une formule. Hein. Christophe Castaner est très bon en formule. En vérité, la politique, c'est surtout faire et aussi faire savoir. Et aujourd'hui, ils sont surtout dans une stratégie de faire savoir. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas su faire savoir depuis 3 mois. D'accord. Juliette Méadel, effectivement, le risque, le mot assumer, prendre des risques, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la sémantique macronienne. Oui, mais je trouve surtout que cet écroulement dans les sondages a ceci d'inquiétant, qu'il est de plus en plus rapide. Quand on compare avec ce que François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient subi, on se dit qu'il y a quelque chose qui va mal dans notre démocratie. On a l'impression que c'est de la politique Kleenex. Que ce qui a été adoré hier est aujourd'hui détesté et cloué au pilori. Donc ça ne va pas et c'est une défiance qui vient de loin. Ça fait 30 ans que les institutions sont mises en cause et qu'en fait il faut tout changer si on veut préserver notre fonctionnement démocratique. Florian Silnicki, vous êtes expert en communication. Il y a une accélération des cycles comme ça politiques? C'est clair. Le temps s'est raccourci et ça ne date pas d'hier puisque le quinquennat a fait du président de la République un espèce de super premier ministre qui est contraint de communiquer, de pédagogiser les réformes sur lesquelles il a été élu. Et c'est la difficulté de Manuel Valls. On a salué ses premiers pas de président jupitérien, confronté aux réalités. Manuel Valls, oui, tout d'un coup, je disais, où est-ce que vous voulez en venir? C'est Emmanuel Macron, évidemment. Évidemment. Confronté aux réalités politiques quotidiennes et à la défiance des Français, il avait compris qu'il fallait adapter et se repositionner. Alors, on annonce une grande interview de plusieurs pages, dizaines de pages dans le journal, dans l'hebdomadaire Le Point. Effectivement, qu'est-ce qui se joue en cette rentrée pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, Gérard Davet? Il se joue ce qui ne s'est pas joué durant ces 3 derniers mois, c'est-à-dire qu'il y a eu cette marche jupitérienne, il y a eu son élection, il y a eu les quelques gestes qu'il a fait ensuite vis-à-vis de l'international avec Poutine et Trump. Mais il y a eu 3 mois de vacances. Alors je me rappelle très bien de ce qui s'est passé avec François Hollande. François Hollande, il a eu aucun état de grâce lui aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu du bashing, mais du bashing sur l'homme dès le départ. Parce que lui avait pris des vacances. Oui, mais on s'en est pris tout de suite. Bon, il y a eu pas mal de couacs, hein. Il avait augmenté les impôts, etc. Mais on s'en est pris à l'homme. Là, Emmanuel Macron, on s'en est pas tant pris à l'homme, on s'en est pris surtout à sa façon de disparaître tout d'un coup de l'image et d'avoir une espèce de présence évanescente. Et aujourd'hui, il paye ça, comme il paye aussi les couacs qu'il y a eu durant tout l'été concernant les différentes mesures qui ont été décalées. Donc, sans parler de cette majorité pléthorique à l'Assemblée qui n'existe pas, et de Mélenchon qui, lui, est très présent. Donc tout ça, ça fait une espèce de magma dont il a du mal à s'extirper. Dans le sondage, effectivement, BVA que nous avons sélectionné, il y a une chute de 11 points, effectivement, d'Emmanuel Macron, en 43% de bonnes opinions. Pareil pour Édouard Philippe, qui chute dans une moindre mesure. En comparaison, hein, Nicolas Sarkozy était à 57% et François Hollande, en 2012, à 46%. Donc il était lui aussi en dessous de la barre des 50%. C'est le lot d'un président aujourd'hui, effectivement, Juliette Méadel, de voir ainsi ces cycles qui s'accélèrent. Oui, alors c'est probablement accentué par les réseaux sociaux, c'est probablement accentué aussi par une espèce d'attente qui n'est jamais assouvie, mais qui ne peut pas être assouvie en 3 mois.
Et je crois qu'en fait, la réponse à tout ça, c'est de dire, eh bien, il faut révolutionner la façon dont on fait de la politique, dans les partis politiques, mais aussi la façon dont on gouverne. Mmh. Et on peut peut-être commencer à réfléchir, et ça fait quand même des années qu'on y pense, à cette façon de gouverner avec les experts, avec les citoyens, avec ceux qui sont concernés par les décisions. Qu'est-ce que vous feriez, vous, faire avec eux, si vous étiez au pouvoir encore? Écoutez-moi, je gouverneriez différemment. Je crois que je ferais ce que j'ai fait quand j'étais modestement secrétaire d'État à l'aide aux victimes, c'est-à-dire que j'ai commencé par réunir les associations et tous les utilisateurs de la politique que je voulais mettre en œuvre, et de les réunir tous les mois pour pouvoir construire avec eux ce que nous allions faire. Et alors je leur disais, que voulez-vous? Quelles sont les difficultés? Voilà moi ce que je peux faire. Et nous avons cheminé ensemble. Et même quand les décisions à prendre étaient parfois impopulaires, puisque les moyens étant limités, on ne pouvait pas rembourser tous les préjudices qui étaient subis, elles l'ont compris. Et je crois peut-être que arrêter de faire cette politique du haut vers le bas, essayer d'être un peu plus horizontal, ça doit permettre à l'opinion publique de s'approprier les décisions. Alors, c'est facile à dire, ça ne se fait pas en 3 mois, ni même en 1 an. Je crois que ça peut concerner toutes les politiques et tous les ministères. Et à mon avis, c'est le gage d'une révolution politique qui évitera, je le souhaite, que nous ayons à nouveau l'extrême droite au second tour en 2022. Florian Silnicki, effectivement, Juliette Nuadel parlait d'horizontalité. Là, on est vraiment dans la verticalité du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est clair. Et ça ne marche pas. Et ça se traduit par des sondages qui sont très négatifs, parce que la baisse qu'on a évoquée ensemble, elle succède à une baisse qui était déjà initiée le mois d'avant. Cette chute record de popularité, elle s'explique aussi par une succession de couacs et de déconnexion très rapide d'Emmanuel Macron avec sa base électorale. Il a choisi non seulement de ne plus parler aux Français, mais en plus de rejeter la présence des médias, qui sont les médiateurs nécessaires de l'information. Cette double déconnexion, elle s'est légitimement traduite par une illisibilité de son action, puisqu'il ne la portait pas alors qu'il était dans le même temps le plus légitime pour porter la pédagogie nécessaire autour de ces réformes. Il l'a payé, il l'a compris, confronté aux sondages, qui sont un thermomètre, il ne l'a pas jeté avec l'eau du bébé, il a eu raison d'en tenir compte. Gérard Davet, on a dit que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui le principal opposant à Emmanuel Macron. Or, il y a François Hollande qui a donné de la voix, qui va continuer à donner de la voix, parce qu'il ne veut peut-être pas laisser le champ libre à Jean-Luc Mélenchon dans l'opposition. Oui, et puis je pense que François Hollande, alors moi j'ai pas de nouvelles de lui depuis 6 mois, oui. Je comprends pas pourquoi. Bon, c'est différent, on est d'accord. Mais je pense que François Hollande est quelqu'un qui respecte infiniment le corpus social. Et donc, si vous voulez, le fait que ces ordonnances qu'on connaîtra demain semblent aller plutôt du côté du MEDEF, bien que le FO ait pris ses distances, c'est quelque chose qui le chagrine, parce que lui pensait que la loi El Khomri, c'était vraiment le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et d'ailleurs, il avait réfréné les ambitions d'Emmanuel Macron à l'époque. Donc il a voulu faire entendre sa voix et également expliquer au PS, attention, j'existe toujours, et il serait bon peut-être que le PS recommence à se reformer. Mais je pense que Juliette Méadel le sait mieux que moi. Là. Oui. Effectivement, Juliette Méadel, là-dessus. Quoi, sur le que vous disiez François, vous n'avez pas écouté. Vous parlez du François Hollande. Pourquoi le PS se réforme, c'est oui, ça que vous avez dit. Se réforme. Réformer. Non, mais on est très en deçà de ce qu'il faut faire. C'est que le mot réformer est quand même un euphémisme. Moi, quand j'étais porte-parole du PS, je disais, et avec le soutien de Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire, qu'il fallait dynamiter le Parti socialiste. Et on l'a tous dit. Bon, une fois qu'on l'a dit, et on l'a pas fait. Comment on fait? Eh ben, typiquement, on aurait dû, par exemple, accepter d'aller débattre partout en France avec tout le monde, y compris avec l'extrême droite. Moi, je pense qu'il faut aller au débat, faut pas avoir peur. Et il faut casser ces espèces de carcans et en même temps, être là où on ne nous attend pas. Et si on avait passé du temps à essayer de convaincre l'électorat de gauche, parce qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui a voté Le Pen, d'aller le convaincre, cet électorat-là, nous aurions peut-être renoué ce fil qui est coupé depuis des années entre la gauche et une partie de son électorat. L'autre dossier du soir, c'est évidemment cette veillée d'armes sur cette loi travail. Les ordonnances sont rendues publiques demain, avec des syndicats, vous le disiez, Gérard Davet, en ordre dispersé, puisque FO a annoncé ne pas participer à la journée de manifestation du 12 septembre à l'appel de la CGT et Solidaires. Écoutez ce que disait M. Martinez de la CGT ce matin sur RTL. C'est une loi pour les grandes entreprises. Il y a des tas de multinationales qui vont se frotter les mains. Alors, c'est une loi qui est faite pour les patrons. Emmanuel Macron, c'est le président des patrons, Gérard. C'est caricatural. Je pense surtout que le CGT a vraiment du mal à s'extirper de cette position qui est celle de l'opposition systématique, en quelque sorte. Je ne suis pas un grand spécialiste des syndicats, mais le fait que FO ait compris que cette position
ne lui avait rien apporté et que la CGT, elle, s'enfonce là-dedans. Elle a quand même perdu le leadership dans les entreprises au bénéfice de la CFDT. Je pense que les syndicats dits réformistes ont compris qu'il fallait mieux essayer d'accompagner et de pousser le gouvernement à modifier ses ordonnances plutôt que de faire la politique de la chaise vide, de l'obstruction systématique. Et donc Philippe Martinez, il a fort à parier que sa manifestation qu'il appelle de ses voeux ne soit pas forcément un énorme succès aujourd'hui. Florian Silnicki, dans les mots utilisés, une loi pour les grandes entreprises. Les patrons vont se frotter les mains. On est dans la sémantique habituelle de la CGT. Hein. Oui, mieux d'ailleurs, on est dans la formule choc. C'est du marketing syndical. Il s'agit au fond ici de faire un pari. Monsieur Martinez, il fait le pari d'être le seul contestataire et donc d'avoir au fond une opération de visibilité, de notoriété très forte et d'agréger les contestations autour de sa personne, comme d'ailleurs Mélenchon le fait avec Emmanuel Macron. C'est un pari qui est risqué compte tenu au fond de la désunion syndicale qui existe dans notre paysage. Effectivement, il n'arrive pas à agréger les forces d'opposition. Philippe Martinez, la FO qui fait bande à part. Et Jean-Luc Mélenchon, Juliette Méadel, qui lui aussi va faire une autre manifestation le 23 septembre. Oui, parce que ça donne un peu l'impression que c'est déconnecté de l'objectif. Cette loi, à quoi elle doit servir? Elle doit servir à lutter contre le chômage structurel, contre le chômage des jeunes, contre le chômage des seniors. Alors, est-ce que, en facilitant le licenciement, on incite un chef d'entreprise à embaucher davantage? Je ne crois pas. On va écouter Bruno Le Maire dans un instant, c'est exactement ce que dit. En vrai, le sujet, c'est la formation professionnelle. Hein. Et c'est ça l'enjeu. Donc, attendons de voir ce qu'il y a dedans. Et c'est sur la capacité à former, à investir et à réformer totalement le financement de la formation professionnelle qu'on verra l'efficacité de cette loi. Mais la contester, a priori, c'est à côté du sujet. En fait. Mais c'est une fusée à plusieurs étages. Si cet étage-là ne fonctionne pas, la formation professionnelle, l'apprentissage qui viennent derrière seront difficiles à mettre en place. On comprend bien pourquoi certains syndicats sont hostiles à la réforme de la formation professionnelle. On sait pourquoi, le rôle c'est le du fromage financement des syndicats. C'est un des modes de financement des syndicats. Et on sait à quel point François Hollande a essayé de s'y attaquer, Michel Sapin aussi, il y avait eu un début de réforme, mais il faut aller beaucoup plus loin et il faut engager cette révolution dont on parlera tout à l'heure, cette révolution positive. Parce que pour pouvoir survivre aujourd'hui, il faut trouver un emploi qui corresponde à vos compétences. Donc il faut que chacun puisse se former, quel que soit son niveau de départ. Et c'est cette promesse-là à laquelle il faudrait répondre. Cette révolution positive, vous y croyez, Gérard Navet, ou c'est une utopie encore ? La politique vit d'utopie, hein, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une période assez passionnante qui s'ouvre parce que, quoi qu'on en pense, il y a vraiment des réformes structurelles qui vont commencer à arriver. Et par exemple, la réforme des régimes spéciaux, ça fait quand même... Depuis que je suis en journalisme, j'entends parler de la réforme des régimes spéciaux. Il semble que Macron veuille s'y attaquer. Et ça date, donc, à votre entrée dans le journalisme. Si vous saviez. Mais, donc ça date. Et aujourd'hui, il semble qu'il veuille s'y attaquer de front. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un moment hyper important parce que les Français peuvent se dire, tiens, il y a quelqu'un qui essaye de mettre vraiment en action ce qu'il nous a dit durant la campagne. Voilà. Donc les Français sont encore dans l'expectative. Hein, mais s'il y a des preuves d'une bonne volonté de l'autre côté, je pense que les Français peuvent s'y intéresser. Quoi. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur Bruno Le Maire. Il était cet après-midi aux universités d'été du MEDEF. Il a fait un certain nombre d'annonces et surtout, il a parlé de ce texte, de ses ordonnances. On y revient dans un instant, juste après les météos et les 100 secondes d'actu avec Patrice Boisfer. À tout de suite. Punchline, deuxième partie avec nos invités Gérard Davet, journaliste d'investigation au Monde, Florian Silnicki, expert en communication, et Juliette Méadel, ancienne ministre et fondatrice du think tank L'Avenir n'attend pas. On est en train de parler de cette loi travail. Les ordonnances, vous le savez, seront dévoilées dès demain. Écoutez ce que disait cet après-midi devant l'université d'été du MEDEF, Bruno Le Maire. C'est un texte qui est équilibré et c'est un texte qui créera des emplois. Est-ce que réellement ce texte peut créer des emplois, Florian Silnicki ? Est-ce que les Français sont sont dupes pour croire ceci ? Non, parce que nous-mêmes, d'ailleurs, autour de ce plateau, on n'y croit pas. Les Français, c'est chacun de nous. Et puis, il faut juste se rappeler de la jurisprudence. Moi, j'appelle ça la jurisprudence MEDEF. Mais enfin, il y a un président du MEDEF qui a dit « faites ces réformes et puis ça va faire 1 million d'emplois ». Il traîne aujourd'hui cette promesse comme un boulet qui le discrédite à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc, c'est extrêmement compliqué de dire que des textes créent de l'emploi parce que, concrètement, les textes, ça ne crée pas d'emploi. Ce qui crée de l'emploi, ce sont des réformes qui permettent aux entreprises d'investir et d'embaucher.
marchés. Voilà. Le discours politique, il a beaucoup souffert ces dernières années de ce genre de promesses électorales qui n'apportent rien et qui reviennent toujours à la figure de ceux qui les ont portées assez violemment comme un boomerang. Juliette Méadel, quand vous entendez Bruno Le Maire, c'est un texte équilibré qui nous permettra de créer des emplois. C'est de la vieille politique ou c'est de la nouvelle politique selon vous ? Non, mais c'est traditionnel et habituel. Et comme on sait bien que le sujet, c'est le chômage, on cherche à faire une adéquation entre eux. Mais ce n'est pas vraiment ça l'enjeu, en fait. Le sujet, c'est de prendre les bonnes décisions maintenant qui permettront de construire l'avenir de demain. Et il y a quand même moi, j'ai des réelles inquiétudes sur la question environnementale, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas plus sur la croissance verte ? Pourquoi on ne dit pas il y a des énergies, il y a des gisements d'emplois et c'est là qu'on va les chercher ? Mais pour ça, qu'est-ce qu'il Nicolas faut ? Hulot le dit à longueur de temps. Heureusement. Et d'ailleurs, le budget de Nicolas Hulot vient d'augmenter et je m'en réjouis. Donc ça, c'est positif. Mais pourquoi on ne prendrait pas un peu plus de temps, on n'est pas obligé de réagir dans l'urgence pour prendre les bonnes décisions et pour dire, eh bien, publiquement, nous allons avec de l'argent public investir dans la croissance verte. Un, ça va nous permettre d'améliorer l'environnement et deux, de créer de l'emploi. Ça, ce sont des politiques qui sont à la hauteur de l'avenir. Et je trouve qu'à nouveau, toute la question là, c'est la gestion du court terme et du long terme. Et je crois qu'il faut prendre le risque du long terme. Parce que c'est ça qu'on attend aussi d'un homme d'État, c'est qu'il montre qu'il a sa vision et que cette vision-là, c'est celle qui prévaut parce qu'elle permettra de sauver les générations futures. Gérard, t'avais un mot sur Bruno Le Maire, hein, ce ministre de droite, comme Gérald Darmanin et Édouard Philippe qui a rejoint les rangs d'Emmanuel Macron. Il s'en sort bien pour l'instant. Comment est-ce que vous jugez les débuts de... Je trouve que pour l'instant, si l'on en croit les bruits dont on dispose, il semblerait que Emmanuel Macron apprécie l'action de Bruno Le Maire. Et il semble s'en être bien sorti, par exemple, sur l'histoire du chantier STX à Saint-Nazaire. Oui, il a l'air d'avoir pris les choses à bras-le-corps. Il s'entend bien avec Gérald Darmanin, qui plus est. Donc c'est ce qui change, parce qu'à Bercy, en général, c'est pas Juliette Méadel qui dira le contraire, en général, c'est quand même une foire d'empoigne dans les différents ministres. Donc ça dépend. Divisé pour me régner en même temps. Ouais, bon. En tout cas, il semble qu'il est effectivement... Il évolue en tout cas en terrain de connaissances et il a pris le truc à bras-le-corps. Après, évidemment, comme Florence Siniki, je ne vois pas comment un texte peut créer de l'emploi. On est là dans la punchline, dans la formule évidente, l'élément de langage. Il va falloir vraiment attendre. Et le vrai chantier, c'est l'apprentissage et la formation, bien sûr. Allez, on s'intéresse maintenant aux Républicains. La rentrée politique ce soir, c'est celle de Laurent Wauquiez, qui va annoncer évidemment qu'il sera candidat pour cette présidence des Républicains qui se jouera les 10 et 17 décembre prochains. Quatre candidats à ce jour, Laurent Wauquiez, Daniel Fasquel, Florence Portelli et Laurence Saliet. On va écouter Florence Portelli qui, elle, n'hésite pas devant l'utilisation de la punchline. Il faut restructurer un parti qui a un vieux fonctionnement, qui ne fait pas la part belle à sa nouvelle génération, qui étouffe les talents. Vieux fonctionnement, étouffe les talents, pas de nouvelle génération. Juliette Méadel, on entendrait ça au PS, on dirait pas mieux. Mais il y a une crise qui touche tous les partis politiques. Une façon de faire de la politique qui est devenue hyper traditionnelle, complètement coincée, verrouillée. Et là, c'est une question de survie pour ces partis-là. Et donc, pour Laurent Wauquiez, qui est jeune... On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse preuve d'audace, qu'il soit là où on ne l'attend pas. Et il est en train de reproduire au fond ce que ses aînés ont produit. Et je crois que si on continue comme ça, on risque vraiment de se retrouver dans une crise dramatique. On est passé, aux dernières élections présidentielles, pas très loin d'un drame. En 2002, Le Pen est au second tour et en 2017, à nouveau. Et puis là, tout redevient comme avant. Là, on s'est rentré, on se dit très bien. Ben non, en fait. Et je crois qu'il y a un moment donné où tout ça va exploser, à moins que les partis politiques acceptent, y compris le mien, de se remettre profondément en cause. Mais tous les partis... Le vôtre, donc vous êtes toujours au PS, hein, pour répondre à une question de Gérard Davet tout à l'heure. Mais bien sûr, mais ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi souhaiter et avoir envie d'agir autrement, d'agir concrètement et précisément d'avoir un engagement public et politique qui ne soit pas strictement dépendant d'une étiquette. Florian Siniki, un mot sur Florence Portelli quand même, parce qu'elle fait, elle fait figure d'opposante à Laurent Wauquiez. Sa technique, c'est très simple, hein, c'est utiliser des phrases choc pour lui taper dessus et pour se faire entendre et se faire connaître des Français. C'est vrai, elle veut le faire descendre dans l'arène pour crédibiliser sa candidature. C'est une stratégie qui est intéressante.
Aujourd'hui, les Républicains, ils payent le fait de ne pas avoir fixé un cap et une ligne claire en 2012. Ils ont vécu sous la figure tutélaire de Nicolas Sarkozy pendant une dizaine d'années. Il avait le leadership, mais il n'a pas préparé de dauphin. En politique, d'ailleurs, la question des dauphins, elle est toujours un peu compliquée à aborder. À droite, il n'y en a pas eu. Et le parti, il est en lambeaux. Tous les quadras et quinquas dont on a dit qu'ils étaient prometteurs, ils ont ou déserté, Bruno Le Maire chez Macron, ou au fond perdu, c'est Nathalie Comorizet et les autres, Pécresse, Bertrand, ils refusent le combat face à Wauquiez. Ça laisse quand même à Laurent Wauquiez un boulevard très intéressant pour conquérir la tête de ce parti qui est en lambeaux et qui ne répond plus aux attentes des Français parce qu'ils ont cru un temps, les dirigeants des Républicains et avant de l'UMP, pouvoir faire de la politique sans les Français. Évidemment, ça n'était pas possible et ils sont allés. Gérard Davet, les Républicains ont toujours cette culture bonapartiste. Ils choisissent d'abord un chef et puis une ligne politique. Là, ce n'était pas l'inverse qu'il fallait faire, au fond. Bien sûr, il fallait évidemment. Enfin, il faut. Ces structures, que ce soit le PS et que ce soit les Républicains, il faut évidemment qu'elles se. Non pas se réforment, mais qu'elles se dynamitent, qu'elles implosent. Quand on voit Florence Portelli, par exemple, c'est intéressant, Florence Portelli, elle a 39 ans, donc à l'aune macronienne, c'est déjà une ancienne. Hein. Elle est supervisée par Valérie Pécresse, elle est toujours filloniste. Est-ce que ça incarne le renouvellement? Est-ce que ça incarne quelque chose qui peut donner envie? Je n'en suis pas absolument persuadé. Donc ces partis-là ont un vrai besoin... d'une nouvelle génération, mais surtout de comprendre, de tirer les leçons de ce qui s'est passé ces trois derniers mois. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient aujourd'hui. Quand Laurent Wauquiez dit « le temps de la reconstruction est venu, nous allons faire renaître l'espoir à droite », donc reconstruction, renaître, voilà, c'est la punchline. Élément de langage. Depuis ce monde, ce microcosme politique survit à travers les éléments de langage, mais il parle à sa base, là. Il parle à sa base sarkozyste et ça peut marcher. Et le corps électoral, Florian Siniki, sera assez restreint pour cette élection des Républicains. Il y a une démobilisation considérable des électeurs de droite. Les militants ont totalement déserté. La faible participation de ces militants au dernier campus des jeunes l'a démontré. Il faut aujourd'hui faire entendre, au fond, un espoir. Enfin, il faut créer un espoir chez ces militants. Et c'est pas avec ce vieux logiciel de conquête électorale et d'apparatchik qu'on va réussir à ramener les Français dans les partis politiques. En l'état, ils sont dans le coma, les deux grands partis politiques traditionnels bipartisans. Ils n'existent plus, oui. Et les Français les ont massivement rejetés lors des dernières élections. Il faut en tirer des leçons. Aujourd'hui, nos dirigeants n'en sont pas capables. Et Juliette Méadel, alors, sur Laurent Wauquiez, sur cette stratégie des Républicains. Une piste, peut-être, pour Laurent Wauquiez, comme pour d'autres, serait de dire, eh bien, je veux être le chef d'un parti, mais un parti qui va faire, hein, et non pas un parti qui va se contenter d'organiser des élections pour les gagner ou pour les perdre. En ce moment, c'est plutôt pour les perdre. Mais de se connecter à la réalité. Il y a tant de choses à faire. Je veux vous parler des victimes, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de causes et un parti pourrait se recrédibiliser en étant un acteur et non pas un perpétuel commentateur ou même un perpétuel opposant. Et donc on voit bien à quel point finalement tout ça devient totalement artificiel. Mmh. Écoutez ce que disait d'ailleurs Laurent Wauquiez, c'était quelques mois avant la primaire de la droite, l'été 2016. Je crois qu'on peut à la fois avoir ses idées, ses convictions et veiller à ce que dans le parti tout le monde s'y retrouve. Voilà, tout le monde s'y retrouvera dans ce parti Les Républicains, Florian Siniki. Bon, honnêtement, c'est quand même presque caricatural parce qu'au fond, c'est l'illustration de la formule choc qui veut rien dire. C'est la punchline, au fond, qui veut rassembler tout le monde, qui donc dit donc tout et son contraire. Voilà, c'est typiquement ce que les Français ne veulent plus. Ça dit tout et rien. C'est comme le problème de la parole politique ces dernières années. Et c'est pour ça que les citoyens ne lui accordent plus qu'une oreille assez inattentive. Que vont faire les jupéistes, Gérard Davet? Ils ne se reconnaissent évidemment pas dans la ligne politique de Laurent Wauquiez. Maël de Calan, qui est un des lieutenants d'Alain Juppé, pourrait se présenter. On va écouter ce qu'il dit et sa punchline à propos des Républicains. Voilà, cette punchline de Maël de Calan qu'on va écouter dans un instant. Les Républicains incarnent avec d'autres formations politiques la mauvaise foi, le cynisme, la démagogie. Je ne sais pas si on peut l'écouter. On l'écoute. Les Républicains incarnent avec d'autres vieilles formations politiques la mauvaise foi, le cynisme, la démagogie.
Non, je t'ai plus, Gérard Davet. Non, il est clair, là. Hein, il a le mérite d'être clair, Maëlle de Calonge, je ne le connaissais pas. Il a le mérite d'être clair. Ça va être compliqué. De toute façon, on le sait tous, tous ceux qui s'intéressent de près à la chose politique, Laurent Wauquiez ne fait absolument pas l'unanimité au sein de son parti. Il a été nourri, biberonné par Patrick Buisson. C'est un bébé Sarkozy. Évidemment Pariste que, avant, d'ailleurs. Oui, par ailleurs. Jacques Barrot. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à godiller, qui a une réputation d'opportuniste. Bref, ça reste la foire à l'empoigne, le panier de crabe. Donc, si lui est élu, les jupéistes ne s'y retrouveront pas, c'est une évidence. La frange humaniste, comme ils aiment à s'appeler, ne s'y retrouvera pas. On a entendu Florence Portelli. On entend là Maëlle de Calonge qui table pareil. Très, très fort. Mauvaise foi, cynisme, démagogie. Ce sont des mots extrêmement forts, encore une fois, pour qualifier Laurent Wauquiez et la ligne des Républicains. Bien sûr, ce sont des mots très forts, mais au fond qui correspondent et qui décrivent la réalité d'un parti en lambeaux qui connaît une chute considérable de ses militants et de ses adhérents et qui n'arrive plus... Couper des classes populaires complètement, les Républicains ? Complètement. D'ailleurs, la réflexion sur les classes moyennes dont a tenté de s'emparer Laurent Wauquiez, elle a une raison. S'emparer de ce débat, c'est tenter de montrer qu'on s'intéresse aux réalités quotidiennes des Français et tenter de proposer des choses qui peuvent ramener les Français à ce qui est le cœur d'un parti politique, c'est la réflexion et l'action politique, et non pas les questions d'apparatchik et d'investiture politique qui n'intéressent que ceux qui vivent des partis politiques. Alors, Juliette Méadel, vous allez, je crois, aux côtés de Jacques Attali, proposer un débat. Comment accélérer la révolution positive ? Ça concerne les partis politiques ? Ça concerne la vie de la cité ? Ça concerne la vie de la France, ça concerne la vie et l'avenir de la France dans le monde. C'est un forum qui a été créé, lancé par Jacques Attali, et j'ai répondu positivement à son invitation, parce qu'il y a là une façon de dire que tous ceux qui agissent quotidiennement dans un sens positif, alors vous avez des entreprises qui ont investi dans la croissance verte, vous avez des ONG, des start-up, make.org, tous ceux qui ont fait des choses utiles, et il y en a beaucoup. Et il y a un foisonnement, il y a ces pépites-là. Donc l'idée, c'est d'abord de les rassembler, de les valoriser et ensuite de produire cette énergie-là et d'en tirer aussi des conséquences sur le plan politique. Pour dire, mais après tout, cet auto-dénigrement, cette capacité qu'on a toujours en France de dire qu'on est les moins bons de la classe, à se remettre en question en permanance. C'est toujours vrai, essayons d'en est-ce tirer que c'est quelque un cliché, chose. C'est quand même qui a un peu évolué au cours des derniers mais écoutez, mois. Regardez ce qu'on vient de constater là, hein, l'effondrement dans les sondages d'Emmanuel Macron au bout de 3 mois. C'est quand même aussi parce qu'on aime bien en France, en permanence, se remettre en cause, ne voir que le mauvais côté et les mauvais aspects. Et sans faire confiance. Or, l'enjeu de cette révolution positive, c'est de dire d'abord la confiance. Changeons d'état d'esprit. Essayons de nous dire qu'on a les moyens de transformer le monde et que le monde de demain sera plus beau que le monde d'aujourd'hui. Mais seulement, pour se lancer dans ce combat-là, il faut y croire. Et puis, il faut avoir envie aussi de donner de son temps, de son énergie. Mmh. Et même les responsables politiques, certains, et il y en a quand même, ont envie de se dévouer pour cette cause-là. Je vois le regard sceptique de Gérard Davet. Vous y croyez à... Naturellement sceptique. C'est un des abusés, oui, c'est la définition du journalisme. C'est partie de mes défauts, de mes qualités. Mais Jacques Attali est assez fascinant comme personnage, parce qu'il a toujours une idée d'avance. Alors, parfois, ça tourne toujours un petit peu autour de son petit univers. Même celle de découvrir Macron. Oui, et même Hollande. Vous êtes toujours dans la petite phrase, dans le dénigrement. Essayons quand même de voir ce qu'il y a de positif. Mais je vous garantis que cette journée qui est organisée vendredi 1er fédère, j'ai rencontré la plupart des intervenants, fédère des énergies, fait émerger des personnes complètement nouvelles. Par exemple, en biotechnologie, en ce qui concerne les neurosciences, vous avez des découvertes incroyables dont on n'a pas conscience. Et il faut que les responsables politiques que nous sommes se branchent là-dessus. Moi, ce que je trouve fascinant, si je peux me permettre, c'est que la personne qui m'a le plus intéressé récemment dans son analyse, mais c'est malheureusement une analyse qu'il n'a pas partagée, c'est François Hollande. Pas partagé avec vous son analyse. Si, mais pourtant, ça n'a pas été forcément. Vous l'avez longuement interviewé. Oui, mais ça n'a pas été forcément repris, c'est dans le bouquin. Et c'est un soir où il nous dit, à Fabrice Lhomme et moi-même, le Parti socialiste doit se faire harakiri, donc c'est encore plus que dynamité, et pourquoi pas l'appeler Parti du progrès, etc. C'est-à-dire que lui-même, président de la République, socialiste, ancien premier secrétaire, avait la bonne analyse. Mais simplement, il était incapable de l'appliquer et de la faire savoir, de la faire connaître. Et pourquoi, c'est bien ça le problème, je trouve. Pourquoi il n'a pas su la partager cette analyse, manque de courage, par manque de volonté, par conformisme, tout ce qui gangrène nos partis politiques aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même un peu facile, votre truc. Parce que quand on est président de la République, on n'est pas en train de s'occuper du prochain congrès du Parti socialiste. Il ne faisait que ça. Mais bien sûr que non, il ne faisait pas que mais ça. Bien sûr que si. Et je trouve que ce n'était pas à lui de réformer le Parti socialiste. Ce n'était pas son job. Il sait à quel point c'est chronophage de mener un congrès et de transformer des structures telles que le Parti socialiste. Donc ce n'était pas...
du tout son travail. C'est pas pour ça qu'on l'attendait. Alors vous pouvez toujours dire que vous auriez souhaité avoir un président qui avait les deux casquettes, qui était capable de réformer le PS, d'en faire enfin ce grand parti démocratique, moderne, innovant, ouvert sur le monde, capable de multiplier par 5 le nombre de ses adhérents. Certes, mais ça c'était pas son job. Ouais. Et est-ce que Emmanuel Macron, Florian Séniquet, a compris ça justement, cette façon de dynamiter les vieux partis? Bien sûr, il en a profité un max d'ailleurs. Il a même fait en sorte de cliver tellement les deux camps, au fond, que les deux sont devenus totalement inaudibles et se sont fait prendre à leur propre piège, laissant d'ailleurs un grand boulevard à Emmanuel Macron. Moi, je trouve très intéressant ce que disait Mme Méadel à l'instant. Les Français, ils ont déserté les partis politiques. On voit qu'il y a un très faible pourcentage de la population française qui est adhérent à un parti politique. En revanche, ils accordent une très grande crédibilité à l'action des associations de terrain. Ça démontre que les Français, ils sont prêts, contrairement à ce qu'on pense un peu trop facilement dans le politique, à s'engager pour des actions de terrain. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline sur CNews. Dans un instant, il y aura le 20h foot de Pascal Praud. On se retrouve à 21h avec Patrice Boisfer et avec une interview culture de l'écrivain Daniel Rondeau. Tout de suite, c'est le 100 secondes d'actu avec Patrice Boisfer.